おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であることを願う。明けましておめでとう。成功と健康を願ってるよ。さあ、今日は日本語のことについてお話ししたいと思う。でも、このビデオを始める前に、今後のビデオをもらわせるように、君にチャンネルを登録してほしい。Donc, tu vas juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et comme tu le sais, sûrement, hein, donc tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour donc recevoir du contenu bonus sur Instagram. Un kanji par jour avec son tracé, ses lectures. Et sur Facebook, donc une citation en japonais. Tous les jours aussi. Voilà, donc j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes et moi je te souhaite donc le meilleur pour cette année 2018. Et pour commencer donc l'année, ce que je te propose c'est une petite vidéo très simple hein, sur un sujet que j'ai très brièvement évoqué dans une de mes vidéos, notamment la vidéo sur comment on différencie les particules wa et ga. Hein. Si tu ne l'as pas vue d'ailleurs, elle s'affiche juste là et elle est également en description. Et ce sujet, eh bien, c'est finalement le contexte. Le contexte en japonais. Donc ce que j'avais dit dans ma fameuse vidéo sur les particules wa et ga, c'était que le japonais, c'était une langue qui faisait beaucoup appel au contexte. On va éviter tout superflu. Donc moins on en dit, en gros, mieux c'est. Hein? Et le japonais, en fait, c'est une langue qui veut être efficace. Du coup, on va éviter souvent... Donc de préciser le thème, de préciser le sujet, si on les connaît déjà. Et au-delà de ça, il y a, par exemple, quand un japonais dit quelque chose en général, enfin je vais te montrer un exemple tout à l'heure, il y a des sous-entendus, et des non-dits. Et c'est, là encore... on voit bien que le japonais, donc c'est une langue qui fait appel au contexte. Donc maintenant, je vais te montrer un petit exemple pour illustrer donc le fait que le contexte c'est important en japonais. Alors cet exemple, c'est tout simplement un proverbe que j'ai publié sur ma page Facebook et je vais donc te le lire maintenant. Kaze no naka de sodatta ki wa ne ga tsuyoi, qui veut dire tout simplement l'arbre qui a grandi dans le vent a des racines fortes. Voilà. Dans cette phrase, on ne voit pas trop, finalement, la relation entre le thème et le sujet n'est pas explicite. Donc le thème, c'est « Kaze no naka de sodatta ki wa ». Donc, on voit bien qu'on a la particule « wa ». Et le sujet, c'est « ne », hein, qui est suivi donc, de la particule « ga ». Et donc, c'est à nous de faire le lien entre le thème et le sujet, de voir que finalement, les racines dont on parle dans cette phrase, ce sont bien celles de l'arbre. Hein. On aurait pu également dire, kaze no naka de sodatta ki no ne wa tsuyoi. Les racines de l'arbre qui a grandi dans le vent sont fortes. Voilà. Alors, l'autre exemple dont je t'avais dit, dont on allait parler, c'est quand tu invites un japonais à aller boire et le problème, c'est qu'il n'a pas envie. Alors lui, il ne va pas te dire non, il va te dire des phrases du genre « Muzukashi, toto, isugashi ». Voilà, c'est compliqué, je suis un peu occupé. Hein. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'a pas envie, mais il ne va jamais te dire non. Là, en fait, comme les Japonais disent, il faut lire l'atmosphère. Kuki oyomu. Hein? Et il faut comprendre donc que le Japonais n'a pas envie. Ce Japonais-là n'a pas envie d'aller boire avec toi. Hein? Voilà, donc elle fait ça tout simplement pour pas te heurter, pour pas te dire non, hein, et te blesser. J'ai pas envie, je suis désolé. Voilà. Donc là encore, on voit que le contexte, c'est important en japonais. Voilà, c'était donc ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé, ça t'a éclairé un petit peu
sur la façon de penser en japonais. Si tu aimais donc la vidéo, tu peux lâcher un gros pouce bleu, mettre un commentaire si tu as des suggestions, des remarques, etc. Voilà, je suis ouvert. J'ajoute également qu'on approche très bientôt des 100 premiers abonnés. Et j'avais dit dans une précédente vidéo que donc on ferait une FAQ une fois qu'on aura atteint les 100 abonnés. Alors moi je te préviendrai donc quand j'ouvrirai la boîte à questions, hein, ça sera sur ma page Facebook bien sûr. Et je le dirai également sur YouTube. Voilà. Et avant de finir donc cette vidéo, je te propose comme d'habitude ma vidéo bonus pour apprendre les kanas en une semaine. Hein. Donc c'est une méthode que moi j'ai créée, que j'ai utilisée. Tu peux donc la télécharger en cliquant sur le lien juste ici ou en description et tu es renvoyé donc vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail. Voilà, moi je te dis donc bye bye, matane et gambaro na.